Donc, on y va sur les autres classes rapidement. Classe cercle et classe line. Donc, ça nous permet de récapituler un peu sur ce qu'on a vu, fait au niveau de rectangle. Donc, pour cercle. Alors, la première chose à faire, donc il faut cercle, il faut étendre, donc extend figure. Alors, j'étends figure et donc il me souligne ça. Parce que figure est abstraite, et donc il faudrait redéfinir les méthodes. Voilà. Un cercle, voilà, non, un point et un rayon, le centre et le rayon. D'accord? Donc, private, dollar $center, virgule, private, dollar radius. Et donc, il faut commenter tout ça. Donc ici, ça c'est le centre, il est de type point. Et le radius. Donc les commentaires, ils sont facultatifs, mais comme je vous ai dit, c'est intéressant de les mettre. Donc float. Il s'agit d'un float. Et alors le constructeur. Donc on va créer un constructeur. Comme tout à l'heure, on va le générer. Generate, constructor. Et on lui donne les deux paramètres, le rayon et le... Voilà. Alors, il est où? Voilà. Alors, après ça, on va mettre à jour les attributs protected du parent, left, top, width et high. Donc, pour mettre ça, donc on va copier ça de ici. Et on va remplacer. Donc ici, alors que la left, c'est quoi? C'est center. Alors c'est quoi ce truc-là? Center. C'est un point X, centre. Et je fais quoi? Left, c'est moins le rayon X. Moins le rayon. Donc moins dollar radius. Copier ça. On sait. Et là, c'est Y moins radius. Et pour les deux autres, alors le width et le high, c'est quoi? Hein? Oui, donc je ne suis pas obligé, hein, mais il est préférable de le faire. Vous avez raison. Il est préférable de le faire. Donc, point, alors ici, deux fois radius. Ça, c'est la largeur. Alors, on voudrait aussi bien après tracer des ellipses. Et donc, les ellipses, ils vont avoir une largeur, une hauteur, etc. C'est différent. Donc, voilà pour le constructeur. Alors pour les méthodes dessinées, pareil que tout à l'heure. Pour les méthodes dessinées, donc on va appeler par délégation la méthode du contexte. Contexte draw circle. Et on verra comment faire ça après, de l'autre côté. Et puis pour le périmètre et pour un périmètre et la surface. C'est 2πr et πr carré. Alors, en train de voir le constructeur, je frise et je passe en bas. Créer, donc dessiner, après on va en discuter. Donc, c'est $ctx. Draw. Circle. De dollar center
Bon. Alors, je suis en train de la méthode dessinée. J'appelle par délégation la méthode du contexte, draw circle. Je lui passe le centre, CX, CY, et je lui passe le rayon. Pour le périmètre, le périmètre, c'est deux fois le rayon et fois pi. Alors pi, c'est une constante. On va la définir. Regardez, s'il vous plaît, pour définir des constantes. Pour définir des constantes, donc c'est le mot-clé const. Ça, c'est nouveau, hein, const. Et donc pi, c'est égal, et je l'initialise, c'est 3.14, je pense 159. Hein, il faut ajouter les autres chiffres après la vérité. Hein? Non, il faut, donc je la fais comme ça, const. Et après, donc ici, il est public. Hein? Il est public, donc ici, c'est pas la peine. Ici, donc on a le mot-clé const. En Java, vous utilisez final. D'accord? Ici, vous avez le mot-clé constant, const pour définir des constantes. Et donc ici, il est public. Il est statique par défaut, donc vous pouvez y accéder de n'importe où en utilisant la classe circle ; le nom de la constante ici p. Et donc en l'occurrence, je peux y accéder ici. Et donc alors, pour y accéder, pour le périmètre, c'est 2 fois pi. Alors vous ne pouvez pas écrire ici pi comme ça, ça n'a pas de sens. Il faut écrire self maintenant. Alors le mot clé, s'il vous plaît, la classe dans laquelle je suis, c'est self et pi, que multiplie le rayon this radius. Hein? Dollar, oui. Dollar this radius. Et là, il faut mettre un return. C'est bon? Alors, je rappelle, donc j'ai défini le membre pi comme une constante au niveau de ma classe, une constante de la classe. Et donc pour y accéder à l'intérieur de la classe, j'écris self, ; pi. Si je suis ailleurs et je veux accéder, eh bien non, si je suis ailleurs dans une autre classe, j'écris le nom de la classe, ; et j'accède à la constante. D'accord? Oui, et donc par défaut, il est statique. Vous voyez ici, alors quand vous utilisez ; vous accédez à un membre statique. Ce n'est pas la peine de mettre statique. Automatiquement, votre camarade, il a dit final, pour définir ce que vous faites en Java. Et donc ici, puisqu'on a le mot-clé const, on l'utilise. D'accord. Alors ici, oui. A self, c'est quand vous appelez la classe elle-même, le nom de la classe. Ici, la classe, c'est quoi la classe? C'est circle. Circle. C'est un peu comme si vous faites ça, circle ; pi. Mais au lieu d'appeler par le nom de la classe, ici, je fais une référence dure au nom de la classe. Il se peut que je change moi le nom de la classe. D'accord? Et donc, autant ici, je fais référence à la classe dans laquelle je suis. Donc, pour faire ça, vous utilisez le mot-clé self. Alors, pour accéder à un membre, tout à l'heure, on avait créé normalize. Vous vous souvenez? Normalize. Si vous voulez accéder à normalize à l'intérieur de la fonction dans laquelle vous l'avez créé, vous utilisez self ; ou bien vous utilisez le nom de la classe. C'est ce que je viens de faire ici avec circle. Et donc, le mot-clé ici, self. Alors, on a vu plusieurs mots-clés. Donc, il y en a plein. On a vu parent, pour faire référence aux parents. D'accord? À la classe parent. D'accord, la classe, le nom de la classe parente, je m'en fous. Et puis ici self pour faire référence à la classe courante dans laquelle je suis. D'accord. Et puis après alors pour la surface, donc on fait du copier-coller et donc on a à peu près pareil, sauf que on n'a pas ça. Donc c'est pi fois r au carré. Donc je copie ça. Ctrl+C. Pi r au carré, c'est bon. Voilà, donc alors, pour tester mon cercle, on peut ajouter toString. Alors pour toString, donc ici je vais aussi copier le toString qu'on a ici. Juste question pour voir que c'est pareil, c'est à peu près pareil, Ctrl+V.
Et donc, il s'agit ici d'un cercle. Et le centre, donc c'est center. Hein, this, center. Et puis le rayon, ici, je vais mettre this.radius. Voilà. Donc, c'est ça, tout string. Et après, pour tester, on va créer un nouveau fichier. Donc, je vais créer un nouveau carrément. Alors, bon, je vais faire une pause. Hein. On va faire une pause. On va pas traîner avec les require. On va finir avec ça. Et donc, on va voir un peu comment faire l'auto-loading. Alors, on a vu qu'il y a des méthodes magiques. Toutes les méthodes magiques au niveau des classes, ils sont reconnus par le underscore. D'accord. Ils commencent toutes par underscore. Il y a construct, c'est une fonction magique. Il y a toString, c'est une fonction magique. Il y a destruct, le destructeur, c'est une fonction magique. Mais vous avez, c'est une méthode magique, pardon. Mais vous avez une fonction magique. C'est pas une méthode, une fonction magique qui s'appelle autoload. Alors tout à l'heure, quand on utilisait dans les tests ici, on faisait new point. Alors qu'est-ce qu'il fait le compilateur? Il a besoin des sources, d'accord? Alors donc si il ne trouve pas les sources, il va appeler automatiquement cette fonction autoload. Et dans cette fonction autoload, vous pouvez vous mettre des mécanismes pour charger les fichiers qui manquent, d'accord? Alors, on va créer cette fonction. Je vais la mettre ici dans la racine. Et je vais la créer dans un fichier. Donc, file, je vais appeler ça autoload, comme ça je vais savoir à quoi il sert. Autoload.php, regardez s'il vous plaît. Oubliez ce que vous êtes en train de faire, regardez ça. Donc, on va créer la fonction function autoload, function. Et ma fonction autoload, je l'appelle comme je veux, hein. Pardon, je ne l'appelle pas comme je veux. C'est une fonction magique. Yac, je ne l'appelle pas comme je veux. C'est underscore autoload. D'accord? Il admet un seul paramètre. Et donc, ce paramètre, ça va être le nom de la classe qu'on veut instancier. Et donc, je vais le mettre explicit class name. Je vais l'appeler class name. Et donc, ma fonction, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement echo class name, dans un premier temps. Le paramètre qui sera passé à la fonction. On va voir est-ce qu'elle va être appelée ou non. D'accord? Et si elle est appelée, qu'est-ce qu'on reçoit? Et on va essayer à l'intérieur de cette fonction de mettre le require dont on a besoin, tous les require dont on a besoin. D'accord? Alors je fais CTRL S et on va créer notre fonction de test pour le cercle. Et on va pas mettre les... Ou là je vais corriger ça ici, regardez. On a ici les require, vous vous souvenez, pour rectangle. On a mis les require, ça marche pour le rectangle. D'ailleurs, on a testé ici, ça marche. Alors, si j'enlève les require ici, ça ne va plus marcher. Vous êtes d'accord? Ça ne va plus marcher. Il va me dire que classe de point, not found. Si je corrige pour classe de point, il va me dire pour rectangle. Si je corrige pour rectangle, il va me dire la même chose pour figure. Donc, il va auto-charger trois. On doit auto-charger trois fichiers. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire, au lieu de ça, on va faire require once. D'accord? Et je vais require le fichier autoload.php. C'est le seul qu'on va charger. Autoload, il ne reconnaît pas, on est où? On est dans test. Et donc autoload, je l'ai mis où? Donc je le mets à la racine autoload. Il est dans la racine. Non, il n'est pas dans la racine. Il est dans source, ok. Donc il faut le mettre dans la racine. Il ne veut pas. C'est qu'il n'est pas enregistré probablement. CTRL S, je le ferme. Et je le déplace dans source. Je veux le mettre. C'est juste. Donc à vous de voir comment faire. Mais moi, je l'ai mis ici dans la racine. D'accord? Alors ici, dans notre test rectangle, ici, je vais charger autoload.php. Et on va juste exécuter. Regardez, on va juste exécuter. On va voir ce que ça va donner. Donc, j'actualise. Vous voyez ici? C'est quoi ça? C'est le echo qu'on a mis ici. Ah, le echo, là. Vous n'avez pas bien pigé. Donc ici, j'écris. Vous tentez d'instancier. Hein, donc, voilà. Donc, je ne vais pas d'instancier, blabla, la classe. Voilà. À la classe.
on est en train de tenter d'instancier la classe. Donc, j'actualise. Ah, y a un problème. Il y a un point qui manque ici. Ouais. Ah oui, à l'extérieur. Oui. Concaténation ici. Ctrl S, j'actualise. Voilà, vous tentez d'instancier la classe. On tente d'instancier la classe. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ici, vu que la structure que nous avons ici, il correspond à la structure des espaces de nom. D'accord, la structure des espaces de nom et la structure des dossiers, ils correspondent. Il suffit qu'on construise le chemin vers la classe en mettant, en modifiant le anti-slash qui est le séparateur des espaces de nom. L'anti-slash, il est où? Qu'on utilise ici. Oui, ça c'est le séparateur des espaces de nom. Quand j'essaie de télécharger ici le séparateur ou anti-slash, je vais modifier ça par le séparateur de dossier. D'accord? Et qu'est-ce que je dois ajouter ici en bas? Je dois ajouter le chemin SRC. SRC. Et pour la classe, je dois ajouter .php, tout simplement. Et ça, c'est valable quelle que soit la classe que je veux charger. Et si vous me donnez le nom de la classe avec l'espace de nom, il suffit que je modifie juste les séparateurs de dossier pour retrouver la classe. Et donc, alors, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser dans Autoload ici, je vais, au lieu de faire ça, donc je vais commenter, et on va récupérer, donc je vais mettre une variable, je vais l'appeler parts égale str replace. Alors, on va remplacer, donc alors, qu'est-ce qu'on va remplacer? Eh bien, on va remplacer anti-slash, et eh bien anti-slash, c'est anti-slash, anti-slash, il faut l'échapper. Anti-slash, on va le remplacer par quoi? Virgule. On va le remplacer par le séparateur de répertoire. Alors, si on est dans Windows, c'est anti-slash. C'est pas la peine de le remplacer. Mais si on est dans Unix, Linux, Macintosh, il faut mettre slash. Et donc, alors, PHP, il prévoit une constante qui s'appelle directory séparateur. Et il va prendre la valeur qu'il faut en fonction du système d'exploitation. Et puis, qu'est-ce que je vais ajouter? Alors, je remplace ça par quoi? Je remplace ça dans quoi? Dans notre classe, classe name. Classe name. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un require, comme on faisait tout à l'heure. Mais je vais faire un require de quoi? Ici, rappelez-vous, autoload, il se trouve à la racine. Il se trouve à la racine. Et donc, je vais accéder à src. Et puis, j'ajoute un séparateur encore, alors, point, directory séparateur, attendez, slash ou là, anti-slash, je m'en fous. Yeah. Et puis, point, je vais ajouter ma variable, parts, ça. Et puis, quoi? Ah oui, avec S. Et puis, je vais ajouter l'extension .php. Vous voyez ce que j'ai fait, non? Vous ne voyez pas. Alors, pour ceux qui ne voient pas, je vais faire comme tout à l'heure. Au lieu de faire require, je fais juste echo. Et echo, pas echo. Je fais echo et donc je vais écrire le résultat que je fais là. D'accord? Alors, j'actualise ici. Vous voyez le chemin maintenant? Source, anti-slash dessin, anti-slash .php. Est-ce que c'est ça le chemin? Eh bien, ça va être pareil si vous faites pour figure ou l'ADA. Ça va être figure point 1. Parce que je suis dans Windows. Si j'étais dans Unix ou l'AD, il va mettre slash. Parce que j'ai mis la constante directory séparateur. D'accord? Voilà. Donc, alors ici, voilà, donc au lieu de faire echo, on devrait faire require. Require once, c'est mieux. Et je fais CTRL S et j'enregistre. Et là, je ne vais plus me préoccuper du require. Vous voyez un peu? Ici, combien de classes il a chargé ici? Il en a chargé 3. Il a chargé point, il a chargé rect, et il a chargé figure. Et à chaque fois qu'il fait new rect, il a besoin de tel, il va faire autoload, il va charger la classe qu'il faut. Et donc on s'en préoccupe plus. Ça n'a pas marché pour vous, mais pour moi ça marche. Bon, l'essentiel, c'est que ça marche pour moi, donc on continue. Bien, non? Alors, qu'est-ce que ça vous... Vous faites un écho, vous faites... Est-ce que le chemin est bon? Alors, je vais faire une petite... Donc, c'est bon pour les trois chargements? Il n'y a pas de problème.
Hein? Use, qu'est-ce qu'il a use? Ah, use, vous voulez, oui, donc il veut réduire au maximum. Et il lui dit, new machin, maquella use, là ou alors, il faut chez Chouya Diala. Mais vous n'aurez pas besoin, vous allez voir que l'éditeur, il est intelligent. C'est juste quand vous allez construire vos classes de manière bien, là, vous les documentez, l'éditeur, il va pouvoir retrouver toutes les informations dont il a besoin pour mettre les use automatiquement. Tel use, il n'a pas besoin de les faire. Et en plus de ça, tous les use que vous mettez, ils seront toujours rassemblés, collapse. Vous ne les regardez pas. C'est bon pour la classe. Alors, on va tester maintenant la classe phi. Pour la documentation, moi, elle est spéciale juste pour l'éditeur. Non, la documentation, elle est valable partout. Hein, donc, quand on documente, c'est pour savoir exactement à quoi sert une méthode, quels sont ses paramètres. Donc, c'est standard. Ah, c'est standard, oui. C'est standard. Donc, vous avez param, vous avez return, quand vous avez une fonction, est-ce qu'elle retourne quelque chose? Par exemple, ici, dessiné, si je la commente, donc ici, voilà, c'est ça qu'il obtient. Mais vous avez d'autres paramètres que vous pouvez ajouter. Alors, ça, c'est une méthode. Et donc, ici, return, la valeur retournée. Alors, est-ce qu'il retourne quelque chose ici? Donc, ici, il ne retourne rien. Donc, je fais nul. D'accord, on ne retourne rien, etc. Hein? Oui? Oui, oui, center. Ah, ça ne va pas fonctionner, ça. Center. Voilà. Et pareil ici. Center. Alors, donc ici, quand elle ne retourne rien, on ne met rien, c'est mieux. Mais pour périmètre, je sais très bien qu'est-ce qu'elle retourne. Et donc, je m'attends plutôt à un float. Et pareil pour la surface. Et ici, je m'attends à un float. Voilà. ToString. Alors, ToString, vous allez voir aussi que ça, il le comprend très bien. Regardez, il met string. Parce que j'ai mis ici return string. Et là, il sait. C'est ça, donc les éditeurs, ils sont un peu plus intelligents. Si vous utilisez le bloc-notes, vous pouvez utiliser Sublime Text, mais donc, vous allez avoir des problèmes à les espaces, etc. Voilà. Non, Dreamweaver, moi, je vous conseille. C'est Dreamweaver, c'est spaghetti de l'Internet. Alors, maintenant, on continue sur le test. Alors, on va tester Circle pour voir est-ce que ça marche. Donc, je fais New. Je fais file et donc test circle.php. Et donc pour tester mon circle, dorénavant, j'utilise un seul require, c'est require autoload. Donc, je l'ai démarré, je pense. Ouais. Alors il est où? Si ça marche, il clignote, donc ça marche. Alors, slash autoload. .php, un seul. Après, donc je crée mon cercle. Alors je crée des points. P1, c'est le centre. Égal new point de 150,100. Oui, égal pas à 0, oui. Égal. Et puis après, je crée mon cercle. Cercle. Égal new circle de, je lui donne le centre, c'est $P1, virgule, et je lui donne le rayon, par exemple, 60. Voilà, et là, je fais point virgule, et là, je fais écho. Voilà, écho, donc, mon cercle. Deux points, et donc je ne vais pas tester toutes les méthodes tout à l'heure, périmètre, etc. Il faut les tester normalement, chacune. Mais bon, et donc ici, voilà, donc je mets ici, dollar, cir. Voilà. Alors si je veux tester le reste, je mets ici hr,
le rayon, contrôle C, contrôle V. Alors, pour tester le rayon, donc, pas le rayon, pour tester le périmètre, et donc ici c'est CIR. Alors, ça c'est déconseillé, mais bon, pour le périmètre, c'est périmètre. La méthode, j'appelle la méthode. Mais ici, quand vous utilisez ça à l'intérieur d'une chaîne de caractères, encadrez ça avec les crochets. Avec les, oui, les crochets. Sinon, faites la concaténation, c'est mieux. Et pour la surface, CTRL-C, surface. Et là, c'est surface. Pourquoi on met les crochets? C'est juste parce que au niveau de l'interpréteur PHP, ça peut lui poser des confusions quand vous utilisez des objets ou là, des tableaux. D'accord? Quand vous avez une variable, comme tout à l'heure P1, si vous voulez afficher P1, là, il n'y a pas de problème, dollar P1. Mais quand vous avez flèche pour appeler une méthode ou bien quand vous avez des crochets dans un tableau, hein, un élément d'un tableau, ça pose problème. Il vaut mieux soit vous mettez les crochets ou là vous arrêtez vous mettez la concaténation, c'est mieux. Donc CTRL S. Alors donc on va tester donc ce test circle.php. Not found. Alors pas virgule, circle. Voilà, donc mon cercle, point, le rayon, le centre, le périmètre, 376, etc. Ça marche. Donc, si vous voulez voir que ça marche, par exemple, au lieu de mettre 150, là, on met quelque chose comme 10, ou carrément, alors ça, c'est le rayon, ça. Ça, c'est le centre, mais plutôt le rayon, je vais mettre 10. Parce que là, pour le périmètre, etc., il ne dépend pas du centre, il dépend tout simplement du rayon. Et donc, un rayon de 10, ça fait 2 fois pi fois 10. 2 fois 3 fois 10, ça fait 60 et quelques. 62. Et pour ça, c'est la surface, c'est pi r carré. C'est bizarre, ça. Ah oui, c'est bon. Donc c'est 3,14 fois 100. 10 fois 10, 100. Oui, 314. C'est bon. C'est bon, c'est parfait. C'est parfait pour le cercle. Donc, on a la ligne. Alors, je le fais rapidement, juste pour qu'on complète. Donc, la ligne, line. Alors là, vous pouvez ne pas regarder si vous voulez. Donc, extends. Alors, une ligne, ça étend aussi la figure. Et donc, il faudrait que j'importe, enfin, que je redéfinisse les méthodes. Une ligne, elle a besoin, comme un rectangle, elle a besoin de deux attributs. Je les crée, je les copie. Donc, deux attributs P1 et P2. CTRL-C. Et aussi, elle a besoin d'un constructeur. CTRL-C. Alors, line, CTRL-V. Donc, vous avez besoin de deux points, P1, P2, pour tracer une ligne. Comme dans un rectangle, mais ici, est-ce qu'on doit normaliser ou pas normaliser? Est-ce qu'on doit normaliser ici? Là, j'ai mis normalise. Non, c'est pas la même chose, attention. C'est pas la même chose. Si vous voulez tracer une ligne comme ça, vous ne pouvez pas normaliser ici. Si vous voulez pas normaliser ici. Comprenez? Il ne faut pas normaliser. Et donc, je vais enlever donc, le côté, l'aspect normalize ici. Il faudrait peut-être trouver une autre manière simple pour mettre en place pour appeler le constructeur parent, pour lui dire la largeur et la hauteur. Mais alors, je peux CTRL-Z, j'annule. Je peux utiliser normalize, mais au lieu de donc ici les points pour moi, les points je les garde. Vous voyez ce que je vais faire? Je garde les points originaux P1 et P2 tout simplement. Oui, garder les points d'y aller.
ولكن pour mettre à jour le parent, la figure, avec le rectangle, je lui donne le rectangle circonscrit, donc j'ai besoin de width, de height, etc. J'utilise la fonction de tout à l'heure normalize pour déterminer ses valeurs, tout simplement. Mais le point, ma ligne, il est caractérisé par deux points. C'est ce qu'on a donné ici, c'est ceux qui sont enregistrés comme attribut. Ça fait. Après, ici, au niveau de la méthode déléguée dessinée, donc ici, je fais $CTX encore une fois, et je fais confiance à la bibliothèque du contexte. Donc ici, point draw line, et je lui donne les points. Alors, c'est pareil que pour le rectangle, je vais la copier aussi, ce paramètre. CTRL-C, je lui donne les coordonnées des deux points à dessiner. Voilà. Le premier point X, deuxième point Y, premier point X et Y, deuxième point X et Y. Et pour le périmètre, c'est combien le périmètre? C'est quoi le périmètre d'une ligne? C'est sa longueur. Alors qu'est-ce qu'on va retourner? Distance, ouais. This, en P2. C'est bon pour ça? C'est la distance. Et P la surface? Zéro. Donc on fait return 0. La surface, c'est 0. Donc voilà, donc il faut commenter, etc. Il faut ajouter un toString. Donc aussi, je vais copier un string de droite, de rectangle, pardon. CTRL-C, et je vais mettre aussi pour line, c'est la même chose. Il suffit ici de mettre ici, line, et là, vous avez les deux points, P1 et P2. CTRL-S. Pour tester, nous allons créer un fichier. Donc, test_line.php. On va faire maintenant le require de quoi? De l'autoload, Jack? Autoload. Ah, c'est pas ici, c'est .//autoload.php qui va me permettre de charger. Je déclare deux points. P1 égale new. Point. Alors, vous pouvez le faire directement, donc point de 20,100, point virgule, dollar P2 égale new line de 230,223. Et donc, troisième, $L, line égale, new line. Et je lui donne les deux points, $P1, $P2. Alors ici, vous pouvez à l'intérieur ici, mettre new P1, créer un point anonyme, un objet anonyme. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variable qui est associée à cet objet. Hein. Donc vous le créez, vous l'injectez directement ici. Au lieu de mettre ça, je peux mettre ici à l'intérieur, new point. Yeah. Je copie, je prends ça, add new, et là, ici je le mets ici, directement. Et voilà, donc ici, alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire ici echo. Pour tester, on va faire exactement ce qu'on a fait dans Circle. Hein. Vous pouvez, donc test Circle, il est où? Test Circle. Je copie ça. Echo et CTRL-C et on va faire pareil pour line, CTRL-V. Seulement ici, ma variable ici c'est line, mon line. Et là, c'est line.périmètre, line, avec un E, oui. Et là, la surface c'est line. Voilà, CTRL-S et on peut tester. Alors si je teste ici, donc. C'est test_line.php
test9.php. Ça prend du temps. Catastrophe. Catch-up fatal error. Argument non passé to the 9 parce que must be instance of point. On n'a pas passé des instances de point ici. $P1, $P2. Ah, Adi, oui, oui. Ah, ok, ok. Donc, on actualise, voilà. Donc, line, voilà, donc il me met les points. Périmètre, c'est 23, la surface. Ça va, hein, Zien? Alors, rapidement, donc, pour maintenant, donc, la hiérarchie, créer une hiérarchie, on a vu que c'est simple. Vous pouvez créer une classe de base, hériter de cette classe, créer des attributs qui peuvent être protégés, qui peuvent être privés, qui peuvent être publics, créer des accesseurs, des mutateurs, créer le constructeur, créer des méthodes statiques. Donc, on a vu tout ça maintenant. Maintenant, on va passer à l'autre hiérarchie et c'est un peu le même, un rappel de tout ça. L'autre hiérarchie, je vous rappelle ici, c'est créer le contexte et après, on va faire une implémentation. Mais je n'ai fait deux dans le slide ici, vous les avez toutes les deux. Implémentation pour SVG et une implémentation pour les images. Pour créer des images PNG, JPEG et GIF. Hein? GIF. Alors ici, donc, on va créer le contexte. Quelles sont les caractéristiques du contexte? C'est une classe... Hein? Dessiner? Est-ce qu'on l'a testé hier, tout ça? On ne l'a pas testé. Est-ce qu'on peut tester la méthode dessiner? Parce qu'on n'a pas encore défini le contexte. Il nous faut le contexte pour pouvoir tester. Alors, vous pouvez maintenant, s'il vous plaît, vous pouvez faire un test dans lequel vous englobez tout. Vous pouvez créer un tableau de tous ces objets. Yak. Tous ces objets, line, circle, rectangle, line, circle, rectangle, tous ce sont des figures. Yak. Eh bien, vous pouvez itérer sur ces figures. Vous pouvez créer un tableau et mettre dedans des cercles, des rectangles, etc. Et après, vous pouvez faire une boucle for each et parcourir tous ces objets. Mais comme vous allez appeler des méthodes périmètre ou la surface, c'est pareil pour quel que soit l'objet figure, il a ces méthodes. Et la même chose, ça va être la même chose tout à l'heure pour dessiner, et c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc je crée le contexte, donc le contexte on l'a déjà créé ici, c'est dans API. Et alors, il a deux attributs contexte, ici déjà il est abstrait, contexte, abstract. Et il a deux attributs, private, et là, chaque surface de dessin, il est caractérisé par une largeur de dessin, width, et une hauteur de dessin. C'est les caractéristiques de la surface de dessin. Private, high. Alors, vous pouvez ajouter des trucs ici. Par exemple, je vais moi ajouter un autre paramètre que je vais appeler style. Parce que quand on dessine, on voudrait bien choisir aussi le style de dessin. Et on peut mettre ça dans le contexte. C'est quelque chose qu'on peut mettre dans le contexte. Après, donc, on va générer le constructeur. Avant de générer le constructeur, on fait ce qui est vraiment important. On va mettre les méthodes abstraites qui sont très importantes. Ce sont les méthodes draw qu'on a vu tout à l'heure. Draw line, draw rect, draw. Voilà. Et donc, il faudrait mettre leurs signatures exactement comme on les a utilisées tout à l'heure. Et ils sont de fait abstract. Donc, abstract function. Et donc, je vais avoir draw line. Et draw line est là comme paramètre dollar. X1, dollar, Y1, dollar, X2. C'est ça la signature de DrawLine. Il a besoin du premier point, X1, Y1, et les coordonnées du deuxième point, X2, Y2. Et on a les autres méthodes, c'est à peu près pareil. CTRL-V, CTRL-V. Et donc ici, on a Draw Rect, pareil, il a besoin de X, du premier point et du deuxième point. Et on a Draw Circle, il a besoin du centre, du point du centre, donc c'est X.
Et là, c'est Y. Et là, c'est le rayon. C'est R. Et puis, on va ajouter une autre méthode, abstract. Abstract function. Et si vous regardez dans le, ici, vous avez la méthode render. C'est la méthode qu'on va appeler pour dessiner réellement l'objet. Et donc, render. Voilà, aussi, c'est à définir. Vous savez, donc vous avez besoin de dessiner un cercle. Ce n'est pas dans la classe line. C'est ici, il faut dessiner dans un contexte. On est forcé de redéfinir ben oui, ils sont abstraits. Ben c'est ça le truc. Parce que moi, qu'est-ce que je veux? Je veux redéfinir les fonctions en fonction de comment je vais dessiner. Yeah, parce que si je veux dessiner SVG, la fonction de cercle, c'est pas la même chose que si je veux dessiner sur une image, etc. Les classes filles. Attention, non. Si vous créez des méthodes abstraites, si vous étendez la classe, il faut absolument redéfinir toutes les méthodes abstraites. Ça ne va pas marcher si vous ne définissez pas une méthode abstraite. D'accord. Alors, les quatre méthodes, il faut absolument les redéfinir. Ça, c'est le contrat. C'est quoi le contrat? L'interface. C'est ce qu'on appelle une interface. Et donc, ici, on peut mettre une interface. Alors, je peux déclarer ça. Au lieu d'avoir classe ici, je peux mettre interface. Mais si je mets ici interface, il faudrait que j'enlève les paramètres que j'ai là. Il faudrait définir juste les méthodes. Mais justement, dans cercle et line, etc., on a ici, Drew, regardez, ici on a dessiné. Mais qu'est-ce qu'on fait en réalité? On va appeler la méthode DrawLine via le contexte. Parce qu'à la base, je ne sais pas sur quoi je vais dessiner. Quelle est la bibliothèque que je vais utiliser pour dessiner? Et ici, on sépare complètement. Alors, on le fait, je crée le constructeur. Code generate, je vais générer le constructeur. Et donc, je vais le générer juste avec le width et le height. Le style, ce n'est pas la peine. Et donc, à chaque fois que je crée une surface de travail, je dois dire quelle est la largeur et quelle est la hauteur de cette surface de travail. D'accord? Après, on pouvait créer les getters et les setters aussi pour le width et le height. Comme ça, vous allez vous épargner. Alors, ici, j'ai mis private. Ici, probablement, il vaut mieux parce qu'on va hériter plus tard. Donc ici, mettre protected, c'est mieux. Ça va me permettre dans les classes filles d'appeler directement ces attributs au lieu d'utiliser les getters et les setters. C'est ça la différence. Alors donc, je vais ajouter les getters et les setters. Donc, classe, alors code. Alors, si je veux bien, code generate. Et donc, on va générer les getters et les setters. Generate les getters et les setters pour les trois. OK. Voilà, CTRL S. Contexte fini. On peut ajouter ici des fonctions helper si on veut. C'est quelque chose qu'on peut réutiliser dans les fonctions filles. Mais a priori, on n'en a pas besoin pour le moment. Alors, je vais maintenant définir la classe filles SVG. Contexte SVG. Maintenant, je veux dessiner SVG. Et là, on va voir comment on va dessiner réellement SVG. Alors ici, j'ai mis contexte, par exemple, SVG, alors qu'est-ce que j'ai mis ici, oui. Donc j'ai mis elements, c'est les éléments que je veux dessiner, je mets un tableau. Bon. Alors, donc d'abord ici, ça doit étendre extent contexte. Et
puisque ça est en contexte, forcément il faut redéfinir les méthodes, les quatre méthodes qu'on a dit tout à l'heure. Je crée mes attributs ici, qui peuvent être ici private. Et donc je vais avoir un tableau des éléments que je vais dessiner. Je vais l'appeler figure, ou la element. Element. Et c'est un tableau. Alors puisqu'il s'agit d'un tableau, je peux d'ores et déjà l'initialiser. Ça c'est une nouvelle truc. Quand vous créez une variable, vous pouvez l'initialiser directement. Et c'est un tableau vide, array. Vous pouvez mettre les double croches. Si vous êtes dans une version PHP supérieure à 5.4, je pense, avec les croches mass, mais ça, hein, donc, hein, comme les tableaux dans JavaScript, c'est littéral, JSON. Après, donc ça, après je peux mettre ici, alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Donc ici, il suffit maintenant de redéfinir les différentes méthodes ici. Quand je dessine un truc, ça veut dire quoi dessiner un truc? Eh bien, au niveau de SVG, tout simplement, ça veut dire ajouter un élément, ici c'est line, donc je l'écris, hein, donc ici je vais ajouter un élément line ici dans ce tableau, et donc pour ça je vais dire this element. Il s'agit d'un tableau, donc pour ajouter un élément dans un tableau, on fait comme ça, hein, pour ajouter, hein, on fait ça. Alors qu'est-ce que j'ajoute? C'est juste du texte que je vais ajouter. Et donc, pour tracer en SVG, SVG, c'est des balises, hein, c'est XML. Line, je veux tracer une ligne, c'est line. Vous dites de quel point X1 égale à quoi? Égale $X1. Égale le paramètre que je récupère ici. D'accord? Alors ici, si vous voulez, vous mettez les cotes, parce qu'il s'agit d'un attribut. D'accord? Dollar, non, Y1 égale... Alors, encore, je mets les cotes. Dollar Y1. Et je mets la cote. Alors, Hachim, je vais le copier. CTRL-C, CTRL-V. Et donc, X2, le deuxième point. X2, X2. Y2, Y2. D'accord? Hein? Avec la cote Zayda, mais elle alors pour tracer, donc on peut donner des styles, hein, des styles. Et donc pour donner des styles, hein, je peux redéfinir. Donc je redéfinis un attribut qu'on a défini tout à l'heure qui était protected, le style. Vous vous souvenez, style, je le redéfinis ici. Donc ici je mets je le laisse protected, ou là je peux le mettre private, et donc c'est $style. Et je vais lui donner juste une valeur, juste pour m'éviter de reprendre des styles. Et les styles, c'est exactement comme les styles CSS. Les styles, c'est dans le sens des styles CSS. Et donc, alors, je vous donne les valeurs, donc stroke, deux points. Stroke, c'est la couleur de le trait. Le trait. Et donc, je vais mettre black, point virgule. Stroke. Si, ouais. Puisqu'il existe déjà la classe même. Oui. Oui. On peut l'utiliser, oui. Donc je vais l'utiliser, hein. On va l'utiliser, on va l'appeler on va l'utiliser le constructeur. Yeah. On va utiliser. Je n'ai pas fait de constructeur. On va créer un constructeur et on va l'utiliser. Donc stroke width égal. C'est deux points. Et donc, je vais mettre ici 3 pixels. J'ai besoin juste de quelques... Là, et puis, fill, deux points. Non. Alors, qu'est-ce que je dis ici? Pour dessiner mes figures, je lui dis quelle est l'épaisseur de la bordure. Quelle est la couleur? Stroke, il y a la couleur de la bordure, black. Et ça, c'est l'épaisseur. Et fill, ça veut dire ne pas remplir. Ne pas remplir. Et donc, comme a dit votre camarade, je vais utiliser ça au niveau du constructeur. Donc, je prends ça, tout ça, et j'enlève la ma variable, CTRL-X, voilà. Et dans mon constructeur ici, je mets mon point virgule là. Ah, c'est pas ici le constructeur. Donc, il faudrait qu'on le crée, le constructeur, c'est function. Underscore, underscore, construct. Et CTRL-V, et là, c'est this. Puisque style, on a défini tout à l'heure comme protected, donc il est accessible. Hein?
Il est accessible, donc je mets ces valeurs dedans. Alors ici, juste pour finir ici, pour ajouter un élément line, je dois lui donner x1, y1, x2, y2, mais on ajoute aussi le style, donc il y a un attribut style qui permet de dire comment dessiner, donc égal. Et je vais le concaténer ici, plus, alors pour qu'on voit tout ça, je réduis, et plus, alors this. Est-ce que c'est bon pour ça? J'ajoute add style add. J'ajoute ici. Et pour finir, je ferme ma balise. Alors, je pense que vous pouvez comprendre ça. Ça, vous comprenez, XML? Je suis en train de créer une balise qui s'appelle line, qui a comme attribut x1, y1, x2, y2. D'accord? Et qui a comme attribut style. Voilà, tout simplement. On devrait faire, alors ici, ça c'est, j'ajoute cet élément, c'est juste du texte. Je vais l'ajouter dans le tableau element. Je l'ajoute dans le tableau element. Et on fait pareil pour les autres. CTRL-C, quand je veux dessiner un rectangle, c'est pareil. CTRL-V. Alors qu'est-ce qu'on lui donne pour le rectangle? Eh bien, ici, la balise, c'est pas line, c'est rect. C'est ça qui change. Pour dessiner un rectangle, c'est rect. On lui donne ici x et non pas x1. Le premier point s'appelle x, y1, top left. Et on lui donne la largeur et la hauteur. Et ça, c'est au lieu de x2, ça va être width. Et là, ça va être height. Alors, c'est où? C'est ici. La largeur et la hauteur du rectangle. Mais alors, largeur et hauteur, il faudrait qu'on les calcule. Comment calculer la largeur et la hauteur? Ah, donc, je vais appeler ça width égale. La largeur. Et vous vous souvenez tout à l'heure de normalize. Yeah. Donc, si je prends le point x, x2, yeah. Et je fais moins x1, ça donne quoi? C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, parce qu'on se basait à la règle normalize. Mais normalement, il faudrait mettre le plus petit des deux. La largeur, c'est la valeur absolue de x2 moins x1. Vous avez deux points. Le premier point, il a pour abscisse x1. Le deuxième point, il a pour abscisse x2. Si vous voulez la largeur, c'est x2 moins x1 en valeur absolue. Alors, puisqu'on a tout à l'heure normalisé, donc on sait que x2 est supérieur à x1, ce n'est pas la peine de mettre absolu, sinon vous pouvez l'ajouter pour être tranquille. Donc $x2, x1, ça c'est la largeur, et la hauteur ça va être $i égale $y2 moins $y1. Voilà, et donc ici au lieu de x2, width égale à width, et là égale à high, et pour le style c'est pareil. Ça, c'est le rectangle. Il nous manque le cercle pour tracer un cercle. CTRL-V, je fais pareil. Et au lieu de line, c'est circle. Et qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne le centre, CX. Et c'est exactement les paramètres que j'envoie ici, CX. Et je lui donne le centre, l'abscisse du centre, c'est CY. Et là, c'est CY. Et je lui donne le rayon R et le rayon. Alors, qu'est-ce que je fais ici, hein? Grosso modo, à chaque fois, s'il vous plaît, à chaque fois que j'appelle drawX ou drawY, qu'est-ce que je fais? J'ajoute un élément dans le contexte. C'est-à-dire que le contexte, on est dans le contexte ici, parce que je suis en train de dessiner. Donc, quand vous appelez draw x ou draw y, vous faites quoi? Vous ajoutez l'élément que vous dessinez dans un tableau, tout simplement. D'accord? Vous ajoutez. Mais à un moment donné, vous voulez afficher tout ça. Et bien, pour afficher tout ça, vous faites appeler render, la méthode render. Et ça va faire quoi? Ça va prendre tous les éléments que vous avez dans le tableau et ça va les mettre dans un document SVG. Donc, on va voir comment créer ce document SVG. Vous allez voir que c'est très facile, hein? Donc ici dans render, on va créer un document SVG et donc on fait un return, on va retourner ce document
Et c'est quoi ce SVG? Donc je retourne à la ligne. C'est la balise SVG. D'accord? Balise SVG. Et je dois donner ici le width, la largeur. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ne savent pas SVG, c'est juste une balise HTML que vous pouvez utiliser au niveau du HTML, SVG, c'est un SVG, et dans laquelle on peut dessiner tout ce qu'on veut. Donc, on verra ça dans le deuxième semestre. Mais pour le moment, donc, il faut balise SVG slash SVG. Il faut donner la largeur et la hauteur. Et donc, pour donner la largeur, c'est 8. Et là, je dois mettre les côtes. Alors, d'où on va ramener le 8? D'où on va ramener le width et le height? Ben, on les connaît, hein, on les a en haut. Donc on peut ici alors, utiliser, soit on utilise les accolades, vous savez pourquoi? Et parce qu'on va faire ça, this. Yeah, c'est ça, this, et donc ici c'est width. Et de l'autre côté ici, les accolades ils vont disparaître. Hein? Width avec un D. Ouais. Et là encore, donc je copie ça, tout ça. Sinon, CTRL-Z, sinon vous faites la concaténation, c'est mieux. Point, point, voilà. Et donc ici, width, pardon, this.high, j'ai acheté. Voilà. Alors, à ça, je concatène, j'ajoute. Qu'est-ce que j'ajoute? Eh bien, tout ce que j'ai dans mon tableau. Donc, tout à l'heure, à chaque fois que je dessine une figure, je l'ajoute au tableau Elements. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ajouter ici? Eh bien, tous les éléments que vous avez dans le tableau. Comment on va faire? Oui, vous pouvez faire for each. Vous vous souvenez, quand on a vu JavaScript, on avait vu la méthode pour les tableaux join. Vous vous souvenez? Join, maintenant, elle est à join. Vous prenez un tableau et vous le transformez en chaîne de caractères. Vous prenez tous les éléments du tableau, et vous allez les concaténer les uns avec les autres. Vous avez une méthode qui s'appelle join. Et qu'est-ce que vous donnez comme paramètre à join? Vous lui donnez l'élément que vous êtes le séparateur. Alors, en PHP, vous avez des méthodes comme ça. Vous avez deux méthodes pour prendre un tableau et créer une chaîne de caractères. Ça s'appelle implode. Et vous avez la fonction inverse. À partir d'une chaîne de caractères, c'est explode. Et vous lui donnez par quoi vous voulez découper. C'est l'équivalent de split. Alors, donc ici, pour nous, c'est implode. Implode et vous devez lui donner donc la glue. La glue, c'est l'élément avec lequel vous allez coller. On va coller par quoi? C'est ce qu'on veut. Alors, vous avez plusieurs éléments. Moi, je vais coller tout simplement par anti/n. Anti/n, c'est retour à la ligne. D'accord? Et qu'est-ce que je vais coller? Je vais coller tous les éléments de this du tableau. C'est this element. Voilà. Et tout ça, je vais le concaténer encore à slash SVG. Voilà, tout ça, je vais le retourner. Et donc, ça va être une chaîne de caractères dans laquelle je vais avoir quoi? Je vais avoir SVG slash SVG. Et à l'intérieur, je vais avoir, en fonction de ce que vous avez dessiné, si vous avez dessiné que des rectangles, vous allez avoir des rectangles. Si vous avez mélangé, vous allez avoir ce mélange. Et finalement, on va obtenir cette chaîne de caractères et on verra qu'on peut l'afficher, tout simplement. On expérimente ça? Ouais. Donc, on va l'expérimenter. Donc, voilà, c'est une première implémentation. Alors, pour l'expérimenter, donc on va faire un test. On va créer un test ici, new. Et donc, alors, file, on va l'appeler test SVG, contexte SVG. Donc, je mets test SVG.php. Alors, pour pouvoir faire ce test, alors qu'est-ce qu'il faut, on a besoin de quoi? On a besoin de créer des figures, yak. On va créer des rectangles, des cercles, des... Yak. Alors, je crée, dollar. Je vais créer des points, P1 déjà. Alors, il faut absolument mettre le require pour le loading. Require ans, c'était point point slash autoload. Ça, tout le monde sait à quoi ça sert. Je crée deux points, point, de 200,140, par exemple. Et je crée un deuxième, oui, new point, oui.
new point, et je crée un deuxième point, P2, et là, je n'ai pas mis use, là, ce n'est pas valable, hein. New point, et là, il va me le compléter de, par exemple, 130,100. Alors, je crée un autre point. Là, il faut lui ajouter le header. Ah, sinon, il faut faire use. Donc, je crée un troisième point. Ouais? Oui, donc il y a plusieurs points de suite. Ouais. Alors, je copie le deuxième point. Je crée un troisième point aussi. Donc, CTRL-C. Et on va composer avec ça pour créer des figures. P3. Alors, je crée un premier dollar. Je crée un premier rectangle. Égal. New. Rect. Et qu'est-ce qu'il a besoin un rectangle? Il a besoin de deux points. Donc, je lui donne par exemple P1, dollar P2. Hein? Ils ont les mêmes coordonnées. Donc, ouais, on va mettre 10. 90, on va mettre 40. Alors, je crée un premier rectangle, CTRL-C, CTRL-V, là, ça je vais l'appeler REC1, ça REC2, et là je vais mettre ici P3, d'accord? Je crée un cercle, donc $C1 égale new, circle, et je lui donne le centre, par exemple le $P2, virgule, un rayon de 70. Et je vais créer une ligne L1, alors $L1, égale new line de, donc je vais aller de P2, $P2, par exemple, virgule, P3, $P3. Alors, vous pouvez, donc, P3, j'ajoute encore une autre $L2 égale new line de new point de 0,0 et à 4 jusqu'au point. On va aller jusqu'au point P1. $P1, sinon on va... Donc voilà, j'ai créé plein de figures. J'en ai combien? J'en ai 5. Y a... D'accord? Alors, je l'ai fait comme ça, mais ce serait bien de les rassembler dans un tableau. Y a... Vous êtes d'accord avec moi? Ce serait bien de faire ça, donc on le fait quand même. Regardez, je fais ici dollar, je vais appeler ça fig comme figure, égal array. Donc j'écris ça pour ceux qui ont des versions anciennes de PHP. Tableau Khawi. Et alors qu'est-ce que je fais au lieu d'appeler ma variable comme ça? Donc je fais ici dollar fig. Je vais mettre un S pour fig, figure, fig. Et je mets ici le crochet. Ça veut dire j'ajoute dans le tableau. Alors je fais ça. CTRL-C. CTRL-V. Alors jusque-là, on n'a rien fait de spécial. Si vous voulez tester, donc ici, ce qu'on peut tester ici, c'est de faire un var dump ou de faire un echo. Prêt, c'est mieux. Prêt. Pour qu'on voit qu'est-ce qu'il y a dans notre tableau. Et puis, je fais ici print R de ma variable ici fix avec un dollar. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé plein de figures. Et toutes ces figures, je les ai ajoutées dans le tableau fixe. Et donc, je fiche tout simplement qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau fixe. Donc, là, c'est test SVG. Alors ici, on n'a pas encore testé SVG. Hein, c'est juste
Donc on a écrit, on a créé des figures, tout ce qu'on avait fait depuis tout à l'heure, point PHP. Voilà ce que ça donne. Donc je fais un contrôle moins. Vous voyez ici, là c'est un rectangle, voici le point P1, voici le point P2, et voici les attributs. Left, top, width, diac. Voici pour le deuxième élément. Et colonne, ce qui est vraiment intéressant, c'est à des objets, colonne, c'est des figures. Ça veut dire que pour tous ces éléments, on peut appeler toutes les méthodes de manière indifférente. Là, est-ce qu'il s'agit d'un rectangle? Est-ce qu'il s'agit, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Si vous avez vu le polymorphisme. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons maintenant dessiner. Alors, pour dessiner, il faut savoir où vous voulez dessiner. On veut dessiner sur quoi? Donc, un contexte. Il faut créer le contexte. Alors, il faut créer le contexte. Donc, je crée mon contexte, ctx égale new contexte svg. Alors, contexte svg, il a deux paramètres. Et c'est la largeur et la hauteur. Donc, ici, je mets 400,300. Voilà, je crée mon contexte. D'accord? Ah, ici, oui? C'est la largeur et la hauteur. Si, pour contexte, le contexte, la classe contexte. On n'a pas redéfini, donc on utilisait le parent. Quand vous définissez une méthode, la classe de base, si vous ne la redéfinissez pas, il est toujours valable, vous pouvez toujours l'utiliser, le constructeur y compris. D'accord? Donc, CTRL-S. Maintenant, je vais appeler, je vais faire une boucle for each, et je vais parcourir ma collection, mon tableau fixe. Je vais parcourir fix as dollar fig. Et chaque tour de boucle, je vais avoir fig. Yak. Et chaque tour de boucle, je fais fig. Et là, bien sûr, il ne va pas reconnaître. Mais pour chaque figure, vous avez la méthode dessinée. Yak. Vous vous souvenez de la méthode dessinée? Qu'est-ce qu'elle a comme paramètre? Le contexte. CTX. Il faut lui donner comme paramètre le contexte dans lequel vous voulez dessiner. Et donc là, je donne le contexte. Et quand j'aurai fini, toutes les figures seront dessinées seulement maintenant. Il faudrait que je fasse ça. CTX. Ici, la méthode render. Et la méthode render, qu'est-ce qu'elle va retourner? SVG. SVG. Alors je fais ici echo avec la tarjali. Et donc, je fais CTRL-S et on va aller actualiser. Il y a des problèmes. Contexte HVG n'a pas trouvé. Oui, probable. Donc, ici, alors, je lis exactement quelle est l'erreur. File to open string, c'est juste une question de... Non? Donc là, il cherche src/contexte-svg. Ce n'est pas ça le chemin. C'est src/api. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a fait comme truc ici? Alors, j'utilise ici contexte SVG, ben, le chemin, ce n'est pas ça, hein, c'est API. Alors, API, anti-slash, chance. C'est la dessin API. Ah, dessin API, oui. Donc, sinon, on le fait en haut. Dessin, slash API, slash, il y a API. On réessaye. Il y a toujours des problèmes. Alors, fail to open stream, non, non, contexte. Ma qui belle quoi, non? Ah, d'accord. Alors, je suis là. Il a dit belle que je suis là, ça veut dire. Ah, il y a un problème ici. Donc, alors, dessin, ça, new context. Il y a un problème sur l'auto-loading. Hein? Donc, il essaye de charger ça. Yeah. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que, quand on a défini ça, est-ce qu'on a mis le namespace? On n'a pas mis le namespace. Vous voyez, c'est des choses qui. Mais le namespace ici. Alors, il faut définir namespace. Le namespace, on avait dit, ça doit correspondre à la structure. Et donc ici, namespace, ici, c'est dessin API. Point virgule. Et là, il y a contexte SVG, c'est pareil. Donc j'enlève le commentaire ici.
Attention, namespace, ça doit être tout en haut. Vous ne pouvez pas mettre des choses à namespace. La définition de namespace, ça doit être tout en haut. Et donc ici, namespace encore, dessin slash API. Ctrl S. Voilà, bah c'est déjà bien. Sauf qu'on ne voit rien. Alors, est-ce qu'on a reçu SVG? On a reçu SVG, effectivement. Seulement, il paraît que les rectangles ils sont là, yeah. Mais seulement ça ne. Le yeah, Kenny, non? C'est, ah, oui? Ah oui, oui. Oui, le huit et le high, ils sont vides, donc il y a un problème déjà là. On va voir pourquoi il ne nous met pas le huit et le high. Mais apparemment, on a les rectangles, alors j'ai mis 6 strokes. C'est bien, 2 points black. Et j'ai mis alors stroke, width, le point et fill none. Alors on va voir déjà le problème de le width et le height, pourquoi. Et donc on va faire en sorte que ça on l'externalise. Ça c'est, je préfère, donc je mets ici point. Comprenez ce que je fais? Concaténation tout simplement au lieu de. Voilà, donc là. Point. Et là, point. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'enlève tout ça déjà. Alors, 10 points high. Donc, ici, voilà. Alors, on a point. Bien sûr. Donc, ici, point d'abord. Ah, je fais la guillemette. Zien? Quelque chose encore qui ne va pas. Tac. Bah, je pense que c'est bon. Ctrl S. Ah, c'est toujours vide. Pourquoi? Alors, this. Là. This, attendez. Donc ici, this. Je dis this.width. Alors ici, donc, parce que là, on est en train d'utiliser le concept de l'orienté objet. Ici, on a défini with comme protected. Vous êtes d'accord? Et donc, contexte SVG et le temps contexte. Donc, théoriquement, ici, pour accéder à with, c'est this with. Seulement, est-ce que ça a été défini? La question maintenant, est-ce que le with a été défini ou non? Donc, pour le savoir, donc, on a mis dans contexte ici, et on utilise le constructeur with, yeah, c'est ça? C'est faux. Là, je suis le parent. Je suis donc le parent. Ah, je suis le parent. Ah, SVG. Ah, il faut appeler le constructeur parent, oui. Oui, parce que. Si on n'avait pas fait ça, si on avait. Là, parce qu'on a redéfini, oui. Moi, je ne croyais pas qu'on a redéfini. Et on a redéfini pour le style. Et donc, forcément, il faut appeler le constructeur du parent. Donc, on l'appelle. Merci, parent. Et donc, underscore construct. Mais alors, donc ici, il faudrait qu'on mette les. Donc ici, $W, virgule, $H. Et là, je. $W, virgule, $H. C'est bon avec ça? Ctrl S. Alors, est-ce qu'on a résolu le premier problème? Oui, et ça dessine. Donc voilà. Alors, on peut aller plus loin ici, on dessine n'importe quoi. Mais, donc alors, moi je vais m'arrêter parce que c'est l'heure. Mais la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? C'est de créer, donc je récapitule très rapidement. C'est de créer, au lieu de faire ce qu'on vient de faire maintenant, on fait une boucle, etc. Tout ça, on devrait le faire dans l'objet. Alors, si ça veut bien sortir ici. Alors, vous avez l'objet. Alors, c'est où les classes? Ouais.
Parents, j'appelle underscore underscore, deux points underscore, construct, et vous envoyez le W et le high. Parce que le parent, il attend qu'on paramètre le W et le high. Alors, je ne sais pas, il est où le. Je l'ai supprimé ou quoi? On avait un. Je ne sais pas, est-ce que je l'ai supprimé certainement. Voilà. Alors ici, ça se passe ici. Regardez, s'il vous plaît. Maintenant, au lieu de continuer comme ça, pour utiliser tout ça, on va créer une classe graphique. Yeah. Avec la classe graphique, le constructeur de là, quand vous la créez, vous lui donnez une instance du contexte dans lequel vous voulez dessiner. D'accord? Et puis, à l'intérieur, ici, vous créez des méthodes, ajoutez des figures. Imaginez que j'ai query, append, prepend, ajoutez une figure au début, ajoutez une figure à la fin, etc. Et puis, vous mettez une méthode dessinée. Et cette méthode dessinée, quand vous l'appelez, vous allez faire un tableau sur tous les éléments que vous avez dessinés. Et vous faites le rendu exactement comme on vient de le faire. Ah, vous avez tout ça implémenté dans les slides. Je vous envoie les slides et donc essayez de refaire tout ça. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à l'orienté objet? Est-ce que vous avez